Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires hors du commun. Mon papa m'appelle à 4h30, maman et s'est fait tirer dessus. Et moi, dans ma tête, je me dis, c'est pas vrai. Pour moi, c'était inconcevable. C'est pas seulement une personne qu'on détruit, c'est toutes les personnes qui sont autour. Et c'est ce qu'il voulait. Et on va pas le laisser faire. On sera pas détruits. Mais aussi pour mieux comprendre ses parcours de vie inspirants, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et grandir. On pourrait perdre foi en l'humain, en fait. Mais en même temps, on a eu tellement de soutien qu'on a redécouvert que l'homme était aussi capable du meilleur. On a envie de se concentrer là-dessus. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Pourtant, à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Je m'apprête à recevoir Mélissa. À 26 ans, cette jeune femme vient de traverser une tragédie personnelle qui a fait d'elle une combattante du bien commun. Il y a 3 ans, sa mère est assassinée. Le coupable, un voisin acariâtre, avait pourtant été signalé pour acte de violence. Mais la loi n'a rien pu faire. L'homme astiquait donc ses fusils de chasse, tandis que le village terrorisé s'attendait à vivre le pire. Aujourd'hui, Mélissa veut témoigner, car avec sa sœur et son frère, ils ont décidé de transcender leur douleur en créant une association. Son objectif, rien moins que faire voter une nouvelle loi au Parlement. Bonjour Mélissa. Bonjour. Bienvenue. Merci. Je suis ravi de voir ce sourire en fait sur votre visage. Après ce que vous avez vécu, je ne m'attendais pas à vous voir ou à vous rencontrer avec un beau sourire comme ça. C'est quoi l'explication ? Pour nous, c'est important parce que ce qui nous est arrivé, c'est le pire. Mais ce qu'on a vu après, c'était le meilleur de l'humanité. C'est quoi que vous avez vu après ? C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de gens qui nous ont aidés. Et ça nous a fait beaucoup de bien de voir que finalement, vous pouvez tous partager une même cause et puis aller de l'avant aussi. Vous vous battez pour qu'une loi soit votée ? Oui. Et si elle passait, elle permettrait quoi ? D'éviter d'autres drames, comme ceux que notre maman a subis. Parce qu'en fait, l'objectif de la loi, c'est qu'une personne notoirement dangereuse, sous tout un tas de conditions, puisse faire l'objet d'un suivi un peu plus poussé qu'actuellement. Qu'elle soit désarmée, tout simplement. Désarmée, et puis qu'elle puisse faire aussi l'objet d'un suivi psychologique pour les personnes qui ne sont pas armées, mais qui peuvent être dangereuses envers les autres. Je vous sers quelque chose à boire ? Avec grand plaisir. Café, jus de pomme, thé. Je veux bien thé, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez la sensation que ce combat vous aide pour vous reconstruire après ce drame ? Oui, parce qu'on est très entourés et pour nous c'est très important. Pour mon frère, ma sœur et moi et tous les bénévoles aussi qui nous suivent parce qu'on n'est pas seulement 3, on est 400, donc ça aide. Et on va aider les autres parce que notre devise c'est aidez-vous, rejoignez-nous. C'est pas aidez-nous, nous on ça va, voilà, ensemble ça va. Mmh. L'idée c'était aussi que ce ne soit pas un simple fait divers ? Non, on ne voulait pas que ce soit un simple fait divers parmi les autres, parce que notre maman n'était pas comme les autres. Après, c'est un fait divers parmi les autres, parce qu'en fait, ce genre de crime est perpétué chaque jour. Et chaque week-end, quand je regarde les informations, je vois une personne dangereuse a tué une autre personne qui ne lui avait rien demandé. Donc ça peut toucher n'importe qui. Quand vous dites une personne dangereuse, c'est un voisin connu de tous, voilà, pour ses colères. Et c'est ça qui vous est arrivé, qui est oui, fou. Hein. C'est que dans votre histoire, et on va rentrer dans le détail tout à l'heure si mm-hmm. vous êtes d'accord, c'est qu'en fait, vous avez emménagé dans un petit village. Et si j'ai bien compris, ce voisin avait des comportements colériques, était très âgé. C'est ça. Et on savait qu'il était armé. C'est ça. Et vous en avez parlé au maire, qui lui-même en a parlé au procureur de la République. Et rien n'a été fait. C'est ça, alors, le gâchis de cette histoire. Oui, c'est exactement ça. Donc il était réputé colérique, mais envers tout le monde. Et pas depuis quelques années seulement parce qu'il était âgé, mais depuis toujours. C'est juste que c'était une personne méchante. Mmh. Voilà. Votre maman avait une devise, je crois. Oui. C'était quoi ? Quand on veut, on peut. Et vous l'avez transformée ? Quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit. Ça veut voilà. dire, on doit se battre ? C'est ça, on n'a pas le choix. En préparant cet entretien, je vous ai demandé de m'envoyer des photos mmh. de votre histoire, pour savoir oui. qui vous êtes, pour comprendre votre combat,
J'ai besoin de comprendre un peu ce que vous avez traversé. Bien sûr. Et je me suis permis de les exposer dans l'atelier. Donc, je vous laisse. Allez. Je vous laisse les voir et puis je vous rejoins dans le patio. Ça marche, on fait comme ça. Ouais, à tout de suite. À tout de suite. Donc, toutes ces photos me donnent beaucoup d'émotions. Donc là, c'était ma maman quand j'étais petite, dans ses bras. Sur cette photo, il y a les trois enfants. Oui. Vous êtes laquelle? Moi, je suis tout au fond, dans le coffre à jouets. Donc, celle du milieu. C'est ça, exactement, celle du milieu. Quand vous voyez cette photo, vous ressentez quoi? Pour moi, c'est représentatif de notre enfance. C'est-à-dire qu'on a toujours été tous les trois. Une grosse complicité. Que ce soit avec ma grande sœur qui a 2 ans de plus que moi, ou mon petit frère qui a 4 ans de moins, on a toujours été tous ensemble. Vous voyez, on se tient tous la main alors que on joue, quoi. Vous avez quelle place dans la famille? Je suis la deuxième. Et vous étiez celle qui, quoi? Il y a toujours la rigolote, les motifs, c'était quoi votre place? Moi, je suis l'émotive. C'est-à-dire que mon frère et ma sœur sont beaucoup moins émotifs que moi. Je suis certainement beaucoup plus spontanée qu'eux. Votre famille est très présente dans vos vies. Oui, oui, oui. C'est un clan. C'est ça. Ça vous a permis d'affronter le drame. Exactement. Mm. Si par magie, l'adulte que vous êtes avait la possibilité de s'adresser à cette petite fille que vous êtes sur la photo, vous qui connaissez la suite de l'histoire, qu'est-ce que vous diriez? Profite. Parce qu'il faut profiter de chaque moment joyeux. Mélissa, sa sœur aînée et son petit frère grandissent dans la banlieue de Besançon. Mère secrétaire et père chimiste, leur famille est modeste, mais l'essentiel est là chaque jour. Amour, chaleur, attention. Entre cette famille soudée et ses amis, Mélissa est une petite fille heureuse. Et voilà qu'à 8 ans, pour des raisons professionnelles, ses parents décident de quitter la ville pour Malan, minuscule village au milieu de nulle part. Dans ce village, c'est un village de combien d'habitants? On est 130 l'hiver et 300 l'été. C'est un village un petit peu touristique. Et les enfants que vous êtes ont envie d'aller à la campagne? Non. À quel point? Pas du tout. Par exemple, dans la voiture, quand mes parents ont décidé d'acheter cette maison, on avait un hymne un peu, c'était « On ne veut pas aller à Malan ». Donc tout le long du trajet, donc une heure de route, on scandait « Nous ne voulons pas aller à Malan, nous ne voulons pas ». Les slogans. Voilà, c'est ça. On avait décidé de ne pas vouloir habiter à Malan, donc on ne voulait pas habiter à vous Malan. Vous vous rappelez donc... pourquoi, à l'époque? Parce qu'on a eu un mauvais pressentiment. La Malan en lui-même était jolie, mais ça ne, c'était pas Besançon, et puis on ne se sentait pas forcément à l'aise. Rien n'était familier pour les enfants. Voilà, exactement. Et quand vous dites mauvais pressentiment, évidemment, a posteriori avec ce qui s'est passé, ça prend du sens. Voilà. Mais pour les enfants que vous étiez, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on ne voulait surtout pas habiter là-bas. Pour moi, c'était sombre. Parce que la maison datait des années 80, donc le papier est des années 80. Donc nous, ça nous faisait peur, certainement. Donc les parents décident de partir loin de la ville, loin des marteaux-piqueurs qu'on entend. Ça. Et du coup, vous finissez par vous adapter, vous les enfants? Oui. Oui, on finit par s'adapter parce qu'on a été très bien accueillis par le village. Et puis parce que mes parents ont su s'adapter aussi, c'est-à-dire que mon papa a tout de suite trouvé une amitié, enfin des amitiés dans le village avec différents hommes. Et puis ma maman s'est proposée pour être bénévole, pour tenir la bibliothèque, parce que pour elle, la lecture, c'était très important. Donc on a été intégrés comme ça. Votre maman, c'était quel genre de nature? C'est quelqu'un de solaire. C'est-à-dire que c'était une personne de gentil et de
d'honnête, de... Entière ? Entière, oui. Elle détestait les conflits, vraiment. Donc elle faisait tout pour que les conflits se résolvent. Elle faisait tout pour que les gens restent heureux et elle faisait tout pour que les gens soient heureux. Elle faisait tout, ça veut dire quoi ? Alors nous, dans notre famille, l'amour se passe par la nourriture. Et donc par la nourriture, ça veut dire quoi ? C'est ça. Ben, quand on venait, elle nous faisait notre plat favori, il y avait toujours un détail, mais même les enfants qu'elle gardait ou qu'elle avait gardés, quand elle descendait au bus pour chercher les enfants qu'elle gardait, elle leur donnait une petite brioche qu'elle avait fait elle-même. Et pour les enfants, les autres qu'elle gardait pas, elle leur amenait quand même quelque chose, une brioche aussi. Donc, ça dit beaucoup d'elle. Voilà, il n'y avait pas de différence. Elle vous a appris cet amour de la cuisine ? Oui. Oui ? C'est quelque chose qu'on partageait ensemble. Principalement la confection de macarons, on adorait ça. Voilà. Et donc, du coup, quand vous cuisinez, ça vous fait penser à elle, du coup ? Bien sûr, mais j'ai mis très longtemps à refaire des macarons. J'ai commencé depuis cette année. Après le drame. Mmh. Oui. Là, on parle des années de bonheur. Et le 31 janvier 2013, votre mère va être tuée. Oui. À coup de fusil. Exactement. Par quelqu'un que vous connaissiez. Exactement. Alors, cet homme est rentré dans votre vie comment ? C'est quelqu'un qui vient s'installer dans le village ? Alors, c'était un voisin. Donc, c'est une personne qui s'est installée à Malan en... 10 ans avant le drame ? En 2000, exactement. C'était une personne d'un certain âge. Environ 80 ans. Mmh. Et donc, cette personne s'installe, sur le coup, pas d'a priori, parce qu'à Malan, on est toujours très accueillant. D'accord. Et donc, lui, dénote ? Pour le coup, au début, pas forcément. C'est-à-dire que, bon, on se dit, il est un peu bizarre, mais sans plus. Il était bizarre pourquoi ? Pour l'enfant que vous étiez ? Parce que, on a tous eu un peu un mauvais pressentiment de se dire, bon, il a l'air un peu spécial, il n'a pas l'air bien honnête. Après, c'est un ressenti. Donc, on n'a pas laissé ce premier a priori guider notre façon de le recevoir ou de le voir. À Malan, personne ne se fie aux apparences et ce nouvel arrivant est accueilli comme il se doit, avec égard et bienveillance. Pourtant rien n'y fait, le comportement de cet homme est de plus en plus suspect. Et puis, mes voisins ont commencé à repérer des choses un peu bizarres qui se passaient à l'extérieur de chez eux. Donc, parfois c'était pas grand chose, mais une poubelle de lin mise chez un autre voisin. Au début, on comprend pas, voilà, c'est ça ? On se dit, il y a eu un coup de vent, non, c'est pas possible, une poubelle quand même. On essaye de trouver quelque chose de raisonnable et de raisonner. Une explication rationnelle. Voilà, exactement. Des haricots arrachés, d'un jardin ravagé, des arbres déracinés. Et on sait que c'est lui ? Au départ, non. Et puis finalement, on fait le rapprochement. On se dit, attends, ça a commencé quand ? Et quand on se dit ça a commencé quand, on se rend compte que c'est à sa date d'arrivée. Bon, c'est peut-être un hasard. Et finalement, les preuves factuelles s'ajoutent et on comprend que c'est lui. Il est pris en flagrant délit ? Il est pris en flagrant délit. C'est-à-dire à quel moment en général ? Alors en fait, principalement la nuit. Donc quel est le niveau d'inquiétude du village ? Bah, au départ, on se dit, bon, c'est minime. Puis en fait, plus le temps avance, plus les choses minimes deviennent de plus en plus grandes. Après, il y a des feux de haies, donc qui peuvent être très graves, puisqu'il y a des fils électriques qui passent au-dessus des haies. Après, il commence à être très agressif envers certains voisins. Exemple, un voisin qui devait nous rejoindre chez nous. Et en fait, dans les phares de sa voiture, il voit ce voisin en train de regarder chez lui, sauf qu'il était 7 ou 8 heures du soir et que c'était en pleine nuit, en hiver. Donc on se demande ce qu'il fait là. Donc il s'arrête. Pourquoi tu regardes chez moi ? Non, je suis malade, je suis en train de vomir. Pourquoi tu viens vomir devant chez moi ? Tu pouvais pas rester chez toi ? Et pour moyen de défense, donc il y a toujours soit une maladie, soit quelque chose, et après il s'énerve. Et donc le voisin a dû carrément s'enfermer dans la voiture parce qu'il commençait à s'énerver physiquement. Et puis finalement, on se rend compte que c'est général. C'est pas seulement nous, c'est vraiment tout le voisinage très étendu. Et puis on se rend compte que ça s'arrête pas sur tout. Donc à un moment donné, on n'en peut plus parce que ces petites choses mises tout bout à bout chaque jour que Dieu fait, on se dit, ben, ça va jamais s'arrêter, c'est du harcèlement moral. Et l'enfant que vous êtes a peur de lui ? Bien sûr. J'ai toujours eu peur de lui parce qu'il me regardait, parce que quand on passait avec ma sœur devant chez lui, on était obligé de passer devant chez lui pour aller à l'école. Et quand il allait chercher le journal, par exemple, il ouvrait son peignoir et il faisait pipi devant nous. Tous les jours à la même heure, alors qu'on passait pas bien longtemps devant chez lui quand vous même. Vous en parlez à vos parents ? Bien sûr. Et ils bien font quoi ? Sûr. Mais ils vont voir les gendarmes. Et les gendarmes nous disent d'accord, on note. On fait des renseignements judiciaires. Donc à la suite de ça, donc les renseignements judiciaires s'additionnent.
Et puis, ce n'est pas des éléments assez constitutifs. C'est-à-dire que faire pipi devant quelqu'un, ce n'est pas de l'exhibition en elle-même. Par exemple, il nettoyait son arme sur la terrasse. Parfois, il regardait dans le truc. Donc, forcément, il nous visait plus ou moins. Mais ce n'était pas réellement une menace. Sauf que là, vous parlez d'armes pour la première fois. Oui. Donc, tout le monde savait qu'il avait des comportements particuliers. C'est ça. Et tout le monde savait qu'il avait une arme. Exactement. Parce qu'en fait, c'était une personne qui chassait. Donc, il détenait plusieurs armes. Personne ne va le voir ? Personne ne va lui parler ? Ma maman. Parce que ma maman, elle ne se laisse pas faire. Ma maman décide, quand il se passe des choses, d'aller le voir pour lui dire « Pourquoi tu fais ça ? Tu ne refais plus ça. Ça ne se fait pas. Je ne suis pas d'accord. » Et généralement, il s'en tire avec des « Non, mais c'était pas moi. De toute façon, personne ne m'a vu. Donc, c'était pas moi. » Tous les voisins se sont dit « Bon, faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait ?» Eh bien, écoutez, on en a marre, on va porter plainte. Le maire est impliqué, la gendarmerie est au courant, et ça va jusqu'où ? Alors, le maire décide de faire une lettre signée par tous les conseillers municipaux, à l'unanimité, pour prévenir donc, le procureur de la République et le préfet. Donc, il est écrit dans cette lettre qu'une personne embête tout le village et qu'on craint le pire parce qu'il détient des armes. C'est écrit, ça ? Oui. C'est marqué à la fin de la lettre. Il détient des armes. Exactement. Donc il y a deux lettres qui ont été faites. Parce qu'à la suite, on a vu que ça portait pas ses fruits et on s'est dit, il faut qu'on recommence parce que ça devient de plus en plus grave. On a peur. Tout le village est terrorisé. Les plaintes pour actes violents sont entendues et le voisin est arrêté. Mais en quelques heures, l'homme est relâché, la procédure est classée sans suite. Mélissa et ses proches se sentent abandonnés. Ce voisin irascible est armé et dangereux. On se sent seul à ce moment-là ? Oui. Oui, on se sent seul parce que ça continue. On a beau aller voir les gendarmes nous disent « Bon, on comprend votre douleur, on comprend que ce soit compliqué, mais soyez conciliants. » On a essayé d'être conciliants, on a essayé de passer outre, sauf que ça devenait de la méchanceté. On a un voisin qui était récemment veuf, il avait perdu sa femme un mois avant. Il était atteint d'un cancer, en phase quasiment terminale, il allait bientôt décéder. Pendant 3 ou 4 jours à la suite, il lui a déterré ses arbustes. C'était de la méchanceté gratuite. Et nous, ça nous a vraiment mal au cœur de voir ce genre de choses, de se dire, bon, il s'en prend au plus faible, systématiquement. Donc là, on a le contexte. Voilà. On a compris qu'il y a de l'inquiétude, qu'il y a de la peur. Exactement. Qu'il y a de l'impuissance et que tout le monde s'inquiète. Il a des armes. Et le 31 janvier 2013, il va utiliser son arme. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe ? Alors en fait, ma maman, étant assistante maternelle et étant dans un petit village, est obligée de parcourir un certain parcours pour aller jusqu'à l'arrêt de bus. Et pour ce parcours, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut que nous passions devant chez lui. Donc elle avait pour habitude de prendre les enfants qu'elle gardait la journée avec elle. Donc cette journée-là, elle avait une petite en garde de 2 ans, en poussette. Et donc elle décide d'aller chercher les enfants à environ 11h40 au bus. Donc elle commence à descendre et en fait il l'attend. Il l'attend accoudé à un pilier, donc en position stable pour ne pas bouger. Et il attend qu'elle passe pour pouvoir lui tirer dessus. Donc mon voisin qui est chez lui entend la détonation et directement il comprend. Il se dit pas tiens qu'est-ce qui se passe, il se dit oh mon Dieu il est passé à l'acte. Donc il sort de chez lui, il court, il voit ma mère par terre, il rentre chez lui, il dit à sa femme appelle les pompiers, Marielle s'est faite tirer dessus. Mon voisin est allé lui tenir la main pour lui dire « Bon, essaye de pas... » Et en fait, elle était déjà tombée dans les pommes, bien évidemment. C'était un choc phénoménal puisqu'elle s'est pris une cartouche de gros plomb dans la tête. Donc elle a eu pour réflexe de mettre son bras, ce qui fait qu'elle s'est protégée le visage, mais pas le haut du crâne. Donc son bras était déchiqueté et le haut de sa tête aussi. Mais le reste de son visage était intact. Et donc du coup, l'hélicoptère est appelé. Les pompiers de proximité qui ont fait un gros travail aussi arrivent. Et la première chose à faire, c'est de mettre le camion de pompier entre ma maman et la maison de ce voisin pour éviter justement qu'il puisse répliquer. À ce moment-là, on sait qu'il est armé, qu'il vient d'agir. Il a toujours ses armes, les gendarmes ne sont pas encore sur place. Donc il est un tueur à ce moment-là. C'est ça. Quand les pompiers arrivent, il est toujours derrière sa baie vitrée, les mains sur les hanches à les regarder. Il assistait à la scène ? Bien sûr. Il les regardait par la fenêtre, il s'en délectait. Il a été arrêté ? Alors après, c'est-à-dire que l'urgence, c'était vraiment de soigner les blessés.
Tout va très vite. L'homme est replié chez lui, l'enfant est sain et sauf, il est écarté. L'attention se reporte sur la mère de Mélissa. Marielle est gravement touchée, mais encore en vie. Les pompiers à peine arrivés se battent comme des diables pour la stabiliser. C'est interminable. Après plus d'une heure de soins, un hélicoptère arrive pour procéder à l'évacuation. À ce moment-là, Mélissa ne se doute encore de rien. Studieuse, elle étudie le droit à l'école de greffe de Besançon. Mon papa m'appelle à 4h30. Donc j'ai pas compris tout de suite. 16h30, ouais. Et donc sur le coup, j'ai pas compris parce que mon papa sort du travail à 5h. J'aurais dû comprendre qu'il y avait quelque chose. Donc je lui envoie un petit SMS. Si c'est urgent, envoie-moi un SMS, sinon je te rappelle plus tard. Pas de nouvelles. À 17h, donc je rappelle vite mon papa. Et là, il me dit « Marielle s'est fait tirer dessus ». Et moi, dans ma tête, je me dis « c'est pas vrai ». Donc j'ai dû lui répéter environ, le pauvre, 40 à 50 fois « c'est pas vrai ». Il me dit « si, c'est vrai, Mélissa ». Pour moi, c'était inconcevable. Et en plus, dans ma tête d'enfant, je me disais « mais elle a une telle constitution physique, elle est jamais malade, qu'elle peut pas être... elle va s'en sortir, forcément. Ou alors ça l'a raté, ou alors elle a un petit truc, mais vraiment pas quelque chose de grave ». Votre maman est toujours vivante à ce moment-là ? Oui. Elle est à l'hôpital ? Et elle est dans quel état, dans le coma? Alors en fait, moi j'apprends qu'elle est vraiment, enfin, beaucoup plus mal en point que ce que je pensais quand le médecin de l'école appelle un de ses amis qui est dans le bloc. Et donc j'entends à travers le téléphone, c'est excessivement grave. Et je vois qu'elle s'éloigne. Et là je me dis, mon Dieu, c'est pire que ce que je pensais. Vous avez le droit de la voir? Pas tout de suite. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que jusqu'à 1 à 2 heures du matin, elle est opérée. L'opération va consister à enlever tous les plombs qui sont rentrés dans sa tête et son bras. On appelle pour savoir comment ça s'est passé. Bon, a priori, ils ont fait le maximum. Et puis donc effectivement, elle est plongée dans un coma parce que son état est tel que dans tous les cas, elle n'aurait pas pu subir... voilà, c'était tellement dur pour elle. Et en fait, on nous explique qu'elle a le cerveau criblé de plomb. Qu'ils ont dû lui ouvrir une partie du crâne pour éviter qu'il y ait trop de compression. Et que dans tous les cas, son œil gauche, le canal était complètement coupé. Donc ils avaient dû enlever l'œil pour justement éviter qu'il y ait trop de compression. Et ils nous disent, bon, aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Par contre, demain, vous viendrez. Par contre, vous saurez, dans notre service, c'est très compliqué. Vous viendrez 1h30 tous les jours et vous ne serez que 3. Et donc on va la voir, et en fait elle a le visage tout huméfié, donc elle a l'œil... C'est un premier choc. Ouais, c'est juste que moi je m'attendais à voir par exemple l'œil creux, alors qu'au final pas du tout. Elle était tellement huméfiée qu'elle avait l'œil complètement gonflé, elle avait un bandage sur la tête, elle était... c'était pas celle que j'avais vue. Et vous ne pouvez pas communiquer à ce moment-là? Non. On n'a jamais pu communiquer après avec elle. Mais vous lui parlez quand même? Oui, c'est important. Là, on vous dit qu'elle est dans le coma, mais vous vous dites... Ça va marcher. Ça va marcher, et puis on a entendu dire que finalement, les gens qui sortent du coma disent qu'ils se souviennent de ce qu'ils entendent. Les médecins nous ont dit, on n'est pas sûr, on ne sait pas si elle va entendre, si elle ne va pas entendre. Et nous, on s'est dit, dans le doute, vaut mieux qu'on parle. Puis ça nous fera du bien aussi, lui dire certaines choses. Donc on lui a expliqué ce qui s'était passé, parce qu'on s'est dit, si elle entend, peut-être que c'est important pour elle de savoir pourquoi elle est là. Donc je pense qu'elle a dû comprendre quand même, puisqu'elle a mis son bras. Donc c'est qu'elle a ressenti à un moment donné quelque chose, un danger. Puis la poussette s'est retournée. Donc est-ce qu'elle a eu le temps de pousser la poussette? Est-ce que c'est des choses qu'on ne saura jamais? Et puis donc on reste à côté d'elle. Elle était en train de lire un livre. Donc on s'est dit, on va enregistrer nos voix sur un disque et on va lire le livre qu'elle lisait pour qu'elle ait au moins la fin. On n'est pas arrivé jusqu'à la fin, malheureusement. Donc... Ça veut dire qu'elle est décédée? C'est ça. Qu'est-ce qui va se passer? Alors en fait, ce qui se passe entre-temps, c'est qu'il décide de lui enlever son coma artificiel et de la laisser avec son coma naturel, voir si elle arrive à évoluer ou pas. Et puis elle bouge dans son coma naturel, donc c'est difficile aussi pour nous de se dire qu'il n'y a pas d'évolution, alors que finalement, on la voit bouger. Donc le collège de médecins se réunit et nous dit qu'elle ne se réveillera pas, donc il faut prendre une décision. Et le conseil nous dit que eux, leur décision, c'est qu'on arrête les machines.
Donc nous, on a une réflexion, c'est qu'on se dit que ma maman avait une amie qui a eu un gros accident de voiture, qui était dans un état végétatif, et elle nous avait toujours dit, si un jour ça m'arrive, faites tout pour arrêter cette souffrance. Et en fait, quand on a demandé quelle était la meilleure possibilité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle pourrait faire si jamais on la laissait dans cet état-là, les médecins nous ont dit, bah, le seul truc qu'elle pourrait faire, c'est ouvrir les paupières et voir, et on ne serait même pas sûr qu'elle voit, et en plus, tous les canaux des yeux sont troués, donc elle ne verrait même pas. Donc on s'est dit, c'est pas possible de la laisser dans cet état-là, sans voir, on ne savait même pas si elle pouvait entendre. On a dit, bon, on va arrêter le respirateur. Et donc à 5 heures, nous voilà au CHU tous ensemble, à attendre finalement le pire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que... Donc ils débranchent les machines. Donc on nous dit que ça va prendre entre 3 et 24 heures. Donc ils nous disent en plus son état cérébral est tellement mal en point que ça va aller très très vite. Sauf que la première heure se passe, deuxième heure, troisième heure, quatrième heure, ça ne s'arrête pas, ça continue. On se dit mince, elle lutte, est-ce qu'elle veut vivre? Et là c'est le doute qui s'installe, est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'il fallait faire ça? Et puis finalement elle décède au bout de la 25e heure. Donc 25 heures où tu te dis à tout moment ça peut être la fin. En sachant que vous ne voulez pas rater ce moment. Bien sûr. Vous voulez être là. Bien sûr. Vous vous rappelez des jours qui suivent? C'est des choses qu'on n'oublie pas. Parce que vous avez dit on a connu le pire. On a connu le meilleur. Et après on a connu le meilleur. Et le meilleur c'est quoi? Le meilleur ça a été tout le long. C'est pas seulement après son décès, c'est dès le départ. C'est-à-dire que nos voisins, notre famille, nos amis ont tous été là. C'est-à-dire qu'ils ont été présents quand il le fallait. Ils n'ont pas été trop présents. Ils ont été vraiment... géniaux. Ils nous ont préparé à manger, ils nous ont dorloté. Et les uns et les autres, les frères et sœurs, vous aviez des amoureux à ce moment-là? Oui. Ma sœur était déjà avec celui qui va devenir son futur mari. Et puis moi, j'étais déjà avec Damien, qui est là, en fait. Qu'est-ce qu'il va faire? À l'époque, il était en CDD et il a quitté son CDD pour être auprès de nous. Donc il a arrêté de travailler pour venir... et pour nous soutenir. Même si c'était pas évident, trouver une place dans ce contexte, c'était pas forcément facile. C'était important de pas être seul dans notre douleur. Et qu'est-ce que vous lisez avant le procès? Qu'est-ce que vous lisez dans le regard des gens qui savent que vous venez de vivre ce drame? Donc c'est un deuil, c'est un assassinat, et c'est des querelles de village, enfin, c'est très complexe. Qu'est-ce que vous lisez? Ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous connaissent, qui nous regardent normalement. Il y a des gens qui ne nous connaissent pas, qui nous regardent avec pitié. Et il y a des gens qui ne nous connaissent pas et qui nous regardent avec un regard de « tu l'as forcément cherché ». Et en fait, quand on connaît l'histoire et quand on explique l'histoire, les gens se disent « ah oui, en fait, moi je connais quelqu'un qui... » On connaît tous quelqu'un qui... Voilà. Quelqu'un qui est inquiétant et possède une arme. Voilà. Et possède une arme ou pas. C'est-à-dire que notre loi ne s'applique pas uniquement aux personnes qui détiennent des armes, de façon légale ou illégale. C'est la loi pour laquelle vous vous battez. Inquiétant. Voilà. C'est seulement 2 années après le drame que Mélissa pourra enfin affronter le meurtrier de sa mère. Le procès s'ouvre le 21 janvier 2015. Il va durer 3 jours. Donc vous revoyez cet homme? Oui. Donc c'est un moment très attendu. Nous, on n'avait qu'une peur, c'est qu'il décède entre-temps. Et donc qu'il meure innocent. Votre peur, c'est qu'il meure innocent. Voilà. Quand une personne meurt innocente, on ne peut pas dire « bah, c'est lui qui a tué ma maman ». Là, je peux le dire. Cet homme est dérangé? Il est fou? Non. Il est reconnu coupable et il est reconnu surtout sans abolition du discernement. Ça veut dire qu'il avait conscience de ce qu'il faisait quand il le faisait. Il n'était pas fou. Mais il sait qu'il va y avoir des conséquences puisqu'il ne fuit pas. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est une personne qui a toujours voulu tuer quelqu'un. Donc ça, c'est ce qu'il a dit par la suite. J'ai toujours voulu tuer quelqu'un, sauf que là, mon médecin m'a dit que j'étais malade, que j'allais mourir. Et donc, je me suis dit que c'était le bon moment. Donc sur le coup, on se dit, comment ça? Et en fait, pour lui, c'est un fait de chasse. Il l'explique comme un fait de chasse. Pour lui, c'est un gros gibier. Donc là, on se dit, non mais... C'est une forme de folie, quand même. Eh ben, en fait, non. C'est ça la chose qui est compliquée pour nous, c'est que quand on tue, on n'est pas forcément fou. C'est ça. Et puis après, il va changer de motif. Donc après, il va évoquer le fait qu'elle ne roule pas du bon côté de la route avec sa poussette, le fait qu'il a été malade la veille,
Alors si chaque personne qui est malade la veille commence à tuer des gens le lendemain, ça commence à être compliqué. On a eu tout un tas de motifs plus... Vous croisez son regard ? Oui. On croise son regard déjà parce qu'il est assez proche de nous, même s'il est bien en avant. Et surtout parce qu'à chaque suspension d'audience, il nous regarde, il nous fixe. À tel point que le gendarme à côté de lui est obligé de lui dire « arrêtez de fixer les parties civiles ». Et qu'est-ce que vous lisez dans ce regard ? De la défiance. Bah tant mieux. Je veux vous voir à terre. Mais les psychiatres disent quoi ? Parce que vous dites « c'est pas de la folie ouais. ». C'est une sorte d'aigreur, de rancœur, de haine. C'est une sorte... C'est difficile à comprendre. C'est une personnalité. Il est paranoïaque, il est... Mais c'est une forme de personnalité, c'est pas une maladie. C'est pas « il est schizophrène, il est... » Non, il est pas malade. Il a juste une personnalité exécrable. Moi, j'ai toujours pensé qu'on était le résultat de nos expériences avec les gens qui avaient de la haine, c'était un manque d'amour, des choses comme ça. Je pense que ça joue forcément. Hein. Par contre, je pense qu'il y a aussi de l'inné. C'est-à-dire que sa sœur, dans ses dépositions, il dit qu'il a toujours été comme ça. Depuis sa plus tendre enfance, il est comme ça. Il embêtait les autres, il volait les affaires des autres. Il a toujours été comme ça. Le délibéré est interminable pour la soif de justice qui étreint Mélissa. Il trompe la tante et le froid en famille, serrés les uns contre les autres dans un café. Quelques heures plus tard, le verdict tombe, l'homme est coupable et condamné à 15 ans de prison. Donc pour nous, forcément, en tant que victime, on pense toujours que c'est pas assez. Sauf que pour une personne âgée, c'est vraiment une grosse, un gros choc. Donc lui, il s'en fiche de sa peine. Il ne nous regarde même plus. Il n'y a pas de réaction. Par contre, dès qu'on parle d'argent, parce qu'à la suite, il y a les compensations financières qui ne sont pas énormes, on est d'accord, je veux faire appel. Et là, on se dit zut, il va se lancer dans un appel. Et l'appel leur fait tomber dans l'innocence, entre guillemets. Ça, c'est votre crainte. Voilà. Et c'est ça qui se passe ? Et non, parce que finalement, son avocat lui déconseille en lui disant « Bon, je pense que là, 15 ans, c'est un bon compromis. Compte tenu du crime affreux que vous avez fait, vous n'aurez pas moins. » Aujourd'hui, lui ? Il est décédé. Donc, heureusement qu'il n'y a pas eu appel, parce qu'il est décédé quelques mois après son procès. Et les procédures d'appel sont très longues, donc il serait décédé entre-temps. On va recevoir dans quelques minutes des gens qui sont autour de vous, qui vous aident et qui vous menez ce combat. Exactement. Pour qu'il y ait une loi en France qui permettent d'éviter ce genre de crime, presque prévisible, semble-t-il. Mais auparavant, je voulais savoir, puisqu'on parle de vous, comment ça se passe, la reconstruction ? Qu'est-ce qui a fait que ce soit possible de parler de ça et de se tenir debout ? C'est les gens qui vous entourent, se dire « tout est possible, maintenant, ce qui est arrivé, on ne veut pas que ça se reproduise ». Sachant qu'on a quand même des facilités, puisque ma sœur et moi avons fait du 3, que le maire de notre commune à l'époque était doyen de la fac de droit de Besançon et qu'il était spécialisé en droit pénal. Je me sentirais responsable à chaque fois qu'un crime aura lieu parce que je me dis que j'aurais pas fait ce qu'il fallait pour l'éviter. C'est fort comme phrase, je me sentirais responsable chaque fois qu'il se passerait quelque chose. Qu'une gamine de 26 ans n'est pas responsable de tout ce qui va se passer dans ce pays. Non, mais je savais, j'ai rien fait. C'est ça, je veux pas. Je sais, je fais. Et c'est pas seulement une personne qu'on détruit, c'est toutes les personnes qui sont autour. Et c'est ce qu'il voulait. Et on va pas le laisser faire. C'est aussi pour ça qu'on lui donne pas gain de cause. On sera pas détruit. C'est ça que je dois retenir. On va pas le laisser faire. Exactement. On va les accueillir. Merci pour la confiance. Ah, bah, c'est normal. Hop. Pour moi, ces vies restent des énigmes. Lorsque des invités comme Mélissa racontent avec pudeur la profondeur de leur souffrance, ils paraissent s'en sortir. Un mystère demeure pourtant, comment s'échappe-t-on du pire ? Bonjour. Bonjour. Enchanté, Frédéric. Enchanté, Aurélia, sœur de Mélissa. Enchanté. C'est pour tenter de répondre à cette question que j'ai voulu aujourd'hui écouter les proches de Mélissa. Bienvenue, je vous laisse vous installer. Merci. Merci. Mélissa, Loane. Allez. Aurélia, Pascal. Là. Alors, je vous laisse vous servir, faites comme à la maison. Jus d'orange, jus de pomme, thé, café. Parfait. Super, ah, une infusion.
Alors, Mélissa, est-ce que vous pouvez me dire qui est qui? Alors, à côté de moi, il y a mon petit frère, donc Lohan, qui a 22 ans. D'accord. Je ne sais pas jusqu'à quel âge ça l'énervera d'entendre petit frère. Ça sera toujours mon petit frère. Ben oui. Ça le reste là. Il a accepté, c'est accepté dès le départ. J'ai pas vraiment le choix. Petit frère. C'est ton cœur. C'est tombé comme ça, okay. Malheureusement pour lui. En diagonale, il y a ma sœur, donc Aurélia, ma grande sœur, qui restera ma grande sœur aussi. Vous n'avez pas un écart d'âge très très grand? Non, on a 2 ans. D'accord. Donc elle a 28 ans. Et puis en face de moi, j'ai ma petite tante chérie, donc c'est ma marraine. Elle s'appelle Pascal. Et c'est la sœur de mon papa. Alors, on a raconté votre histoire, qui est aussi votre histoire. Bien sûr. Et je n'avais pas réalisé, finalement, avant de recevoir Mélissa, que cette histoire pouvait paraître banale au départ, puisque c'est un petit village qui s'entend bien, c'est pas le cas de tous les villages, avec une famille très heureuse. Et puis, une espèce d'énergumène comme ça, qui va toujours en contresens. Et puis, ce qui est fou, c'est que ça commence, vous commencez à aller voir la gendarmerie, enfin, c'est ça que j'ai compris. Et puis, ensuite, le maire va écrire au procureur, tout le monde va se mobiliser en disant, attention, ce type a une arme, ça peut dégénérer. Et puis, c'est le 31 janvier 2013. Et là, c'est ce que vous n'arrivez pas à croire au moment où ça se passe, parce qu'il va tirer sur votre mère et la tuer. Et là, vous décidez que ça doit avoir du sens et qu'il faut qu'il y ait un combat pour qu'il y ait une loi pour éviter ça. C'est exactement ça, effectivement. En fait, le sentiment qu'on a eu, c'est un sentiment un peu bizarre quand c'est arrivé, le 31 janvier 2013, parce qu'on n'y croyait pas, on se disait c'est pas possible. Mais en même temps, on avait cette sensation de se dire, mais on savait que ça allait arriver. On n'a pas pu l'empêcher et on s'est dit assez rapidement qu'il fallait qu'on mette tout en œuvre, en fait, pour que ça n'arrive plus. Alors, Mélissa, vous m'avez raconté votre histoire avec quelque chose de tragique, de dramatique, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, moi, j'avais besoin de rencontrer des gens qui étaient autour de vous, me dire que vous n'étiez pas seul. Et donc, est-ce que vous pourriez me dire pourquoi, finalement, vous aimeriez dire merci à chacun de ces êtres humains? Donc, mon frère, parce que forcément, je suis obligée de subir mon frère et ma soeur. Non, oui, on a dit que je les aime beaucoup. On ne disait pas je t'aime, on dit je t'aime avec la nourriture. C'est ça. C'est ça. Non, donc oui, c'est parce que c'est les... Enfin, avec mon ami donc Damien, c'est les personnes qui sont les plus proches de moi parce qu'on a vécu ensemble, on a été élevés ensemble, on a tout partagé ensemble. Dans un village où il n'y a pas tant d'enfants que ça. Non. C'est ça. Donc forcément, ça rapproche quand on est 2 ou 3. Et puis aussi ma marraine parce qu'elle a été très présente comme elle a toujours été parce qu'elle est très proche de mon papa et elle était aussi très proche de ma maman. Mmh. Et donc de par ce fait, elle est très proche de nous et on est très proche d'elle. Et c'est ma marraine, donc elle a une place un peu particulière dans notre vie, à tous. Justement, comment, parce qu'un drame comme celui-là, évidemment on imagine qu'on est inconsolable, comment des proches peuvent aider dans une situation comme ça? En faisant des choses toutes simples, c'est-à-dire qu'ils ont été présents, ce qui n'est pas donné à tout le monde, parce que parfois les gens fuient aussi, c'est pas évident de parler à des personnes qui sont tristes, et puis on se sent impuissant aussi j'imagine, donc parfois c'est plus simple de rester chez soi dans son malheur que d'aller aider. Souvent parce qu'on ne sait pas quoi faire. Exactement. Ce n'est pas forcément de la mauvaise foi, c'est juste en disant si je vais aller les voir, ça va les déranger. On se pose parfois trop de questions, je pense. Alors qu'elle est venue tous les jours, elle nous a préparé à manger, ce qui dans notre famille est un gros signe. Elle prépare quoi à manger de bien? Les croque-monsieur. On oublie de citer les croque-monsieur. Ah oui, citons les croque-monsieur. c'est bizarre, c'est un aliment qui a été... qu'elle nous a cuisiné en fait, dans des moments clés, en fait. Ouais. Voilà, des jours clés. C'était ce que je pouvais amener en vraiment grosse quantité. Je préparais chez moi vraiment beaucoup de croque-monsieur parce que je ne savais jamais combien on allait être autour de la table. Dans quelle situation? Le jour de l'enterrement, par exemple, elle nous avait fait une cargaison de croque-monsieur. Et voilà, c'était... Pour nous, c'est votre manière à vous de faire votre contribution. Voilà, c'était des petites choses toutes simples. Et puis pour les décharger de tout ce côté... Vous étiez proche de leur maman? Oui. Oui. Enfin, c'était bon, l'épouse de mon frère, je suis très proche de mon frère. Et c'est vrai qu'on était, différentes les deux, mais on avait toutes les deux un sens du respect de l'autre. On arrivait à échanger sur plein de thèmes. Et voilà, on avait beaucoup de points communs, complémentaires. Et jamais. Lohan, le petit frère, alors on suppose que le petit est protégé par les autres. Mais oui, beaucoup plus protégé. Mais en même temps, dans une situation comme ça, on sent bien qu'il faut protéger aussi. Comment vous traversez cette histoire, cette épreuve, et qu'est-ce que vous avez le sentiment d'apporter à vos sœurs? J'essaie d'être là toujours, quoi, d'être toujours souriant, joyeux, content. De toute manière, je suis content, j'ai des sœurs géniales, donc... Ah, vous l'avez jamais dit, je suis sûr.
Ah, si, il fait des efforts depuis. Je fais des efforts parce qu'avant je le. Depuis. Oui, depuis. Ouais. Avant je le disais pas parce que je pensais qu'elle le savait puis qu'elle n'avait pas besoin que je le dise quoi. Et depuis le décès de votre maman, vous le formulez? J'essaie un peu plus. Parfois je le fais pas, mais. C'est un lien direct. C'est. C'est quoi l'idée? Je pense, c'est... oui. Parce qu'elle en a bien parlé pour le coup, hein. Non, Mélissa, de dire que finalement dans la vie c'est. On a l'impression que tout est acquis et que c'est ordinaire. Et puis quand un être peut disparaître comme ça, d'un seul coup, on se met à le dire plus facilement. C'est ça que vous racontez, finalement? Ben, c'est un truc que j'avais jamais dit à ma maman, donc j'essaie de le dire au cas où quelque chose comme ça puisse arriver encore. Mais c'est précieux. Parce que c'est précieux, voilà. On se rend compte qu'on... Même si elle le savait, oui. Il n'y a oui. pas de souci. Mais que personne... Mais de le verbaliser, c'est... Oui. C'est toujours mieux. Et vous aviez déjà un fiancé au moment du drame? Oui. Et quel était son rôle? Parce que c'est dur de trouver sa place dans cette situation. Oui, je pense que ça a été, bon, comme pour tous nos conjoints, il a eu du mal en fait à trouver sa place, effectivement. Mais il a été très présent, vraiment très présent. Et je pense que ça a renforcé en quelque sorte nos ça liens. Ça veut dire quoi être présent? Parce que je pense à tous les gens qui se retrouvent proches de gens qui souffrent et qui ne savent pas comment faire. Et du coup, ça ressemble à de l'indifférence, alors que c'est souvent de l'impuissance. Être, exactement, parce que je pense que moi, avant de vivre ça, j'aurais été dans une situation d'impuissance. En fait, être présent, c'est juste être là. On n'a pas besoin forcément de parler. Enfin, moi, il ne m'a pas parlé pendant 3 jours parce qu'il ne savait pas quoi me dire. Enfin, non, c'est... Mais c'est juste être dans la même pièce. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Bien sûr, on ne peut pas trouver les mots, ce n'est pas possible. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc, juste être dans la même pièce, ensemble, c'est montrer son soutien. Qu'est-ce qui était important pour vous justement pendant toute cette période? Parce qu'aujourd'hui vous avez trouvé du sens, mais c'est pas tout de suite. Non. Très honnêtement, quand c'est arrivé, plus rien n'a d'importance en fait. Donc on met un peu de temps à retrouver même du confort auprès des autres. Il y a une période où rien n'a d'importance. Alors ce qui nous fait du bien, c'est de se dire après, oui, ils ont été là en fait. C'était pas facile et ils ont été là. Mais sur le moment, on s'en aperçoit même pas. C'est vrai qu'on... On n'est pas préparé du tout à vivre ce genre d'événement. Et puis, moi, j'avais toujours cette image de la table avec ses pieds. Et on avait coupé un pied et tout avait basculé. C'était une métaphore, une image que vous aviez. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, la vie était heureuse. Voilà. Et d'un coup, il y a quelque chose qui s'écroule. Un pilier, j'ai compris que ça avait une... C'était vraiment... Maman, c'est une personnalité très forte. Et d'un seul coup, c'est qu'il y a tout un équilibre qui s'effondre. L'équilibre était rompu, oui. Et il faut reconstruire après ça. Voilà. Et le sens après, c'est de créer cette association. Ça s'appelle comment cette association? Alors, c'est l'association Amalté Marielle. Amalté, c'est le nom d'une déesse grecque, c'est ça? C'est la nourrice de Zeus. Voilà. Hein? Donc, notre maman était assistante maternelle. Donc, Et Marielle, c'est son prénom. Et du coup, l'association a un but clair. Et aujourd'hui, il y a des adhérents. Il n'y a pas que cette famille. Non. C'est de faire en sorte que la loi change en France. Voilà. Qu'il y ait une loi qui soit adoptée pour que lorsqu'il y a des individus qui sont colériques, des énergumènes, des gens qui sont identifiés, parce qu'on voit que cet homme était identifié comme quelqu'un de difficile à vivre. Et on voit que finalement il y a une forme d'impuissance des autorités, puisque la gendarmerie est prévenue, le maire est prévenu, le procureur de la République est prévenu, mais comme il n'a pas agi, il a rien fait de répréhensible, de vraiment grave, on ne peut pas mettre cet homme en prison, du coup il est en liberté avec des armes. Et donc l'objectif de cette loi, c'est quoi exactement? Alors l'objectif, c'est quand on a un individu comme ça qui est identifié, c'est très cadré, hein. Il faut des signalements du conseil municipal ou plusieurs plaintes de familles différentes auprès de la gendarmerie. On met en place en fait un suivi médico-social et puis un retrait éventuel des armes si la personne est armée. En fait, l'idée, c'est que nous, voilà, on savait qu'il était en possession d'armes. On avait peur qu'il soit capable. Et vous l'aviez écrit au procureur? On l'a écrit 2 fois au procureur et au préfet. Vous avez écrit quoi exactement? On avait écrit, en fait, qu'on craignait qu'un drame se produise. Et ce qu'il faut, c'est que quand j'ai su que j'allais vous rencontrer, j'en ai parlé autour de moi. Et du coup, plusieurs personnes m'ont raconté ça. M'ont raconté, ah ben oui, j'ai un voisin qui nous reproche des choses qu'on n'a pas faites, donc ça a l'air banal, on se dit il est un peu zinzin, et qui dit des phrases qui ont l'air banales tant que c'est pas vécu, la prochaine fois je vous accueille avec mon fusil. Donc encore une fois, c'est contre cette banalité que vous luttez.
C'est exactement ça, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'histoire, en fait. C'est juste l'histoire d'un voisin qui sort son fusil puis qui tire sur quelqu'un. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'a priori, il n'a pas de grief particulier contre cette personne en particulier. Mais un jour, il passe à l'acte. On craint et ça arrive. Alors, on va regarder un clip que vous avez fait pour votre association. C'est très particulier parce que ce n'est pas votre histoire personnelle, mais c'est très inspiré. Et j'ai l'impression qu'on comprend tout. Je crois que c'est Victor Hugo qui disait « Tout ce qui est personnel est universel », et vous en avez fait quelque chose d'universel. Donc je propose qu'on le regarde et vous m'expliquez un petit peu qui c'est censé toucher. J'étais maire de cette commune quand c'est arrivé. On le connaissait tous. Et je n'ai rien pu faire pour l'empêcher. Des images plus fortes que tous les mots, mais des images qui sont assez insoutenables quand on n'est pas concerné. Je me demandais comment vous faites pour pouvoir les regarder, parce qu'il y a quand même quelque chose qui se rejoue à chaque fois que vous voyez ces images. On voit quand même un homme qui est en train de tirer, on voit quand même une femme, mais si on se rassure en disant qu'elle est comédienne, ça doit être spécial, non? D'un côté, oui et non, parce qu'en fait, on l'a tellement imaginé que finalement, quand on le voit, c'est toujours moins pire que la réalité. Parce que moi, j'ai quand même des voisins qui l'ont vu par terre. Et quand ils ferment les yeux, ils ont toujours cette image. Donc ça, à côté, c'est du cinéma, entre guillemets. On ne voit pas grand-chose, c'est vraiment soft. Et en même temps, même si on l'a imaginé, même si c'est dur, même si on se dit que c'est utile, donc il faut que cette vidéo soit diffusée, il faut que les gens la regardent et qu'ils comprennent. C'est quoi l'objectif ? C'est l'opinion publique qu'on veut sensibiliser ? Ce sont les politiques ? On veut sensibiliser tout le monde. C'est-à-dire que c'est principalement les maires qui sont visés. Mais on veut aussi que tout le monde puisse s'identifier, on veut que tout le monde puisse comprendre qu'effectivement, c'est pas seulement arriver chez nous, ça peut arriver partout. C'est la même question. Oui, alors moi, personnellement, je m'y habitue pas, effectivement. Ouais. Enfin, on l'a présenté devant des mairies, on l'a présenté en assemblée générale, on l'a déjà vu peut-être une centaine de fois, ce clip. Mais je pense que c'est toujours aussi... C'est dur. Aussi difficile, ouais. Mmh. Et après, c'est vrai qu'on a, je pense qu'on arrive à le regarder parce que... On sait que ça, voilà, que ça va servir, on en est convaincus. Ça nous aide à... C'est un support, en fait, pour raconter ce qui s'est passé. Et puis c'est vrai que nous, ce qu'on raconte, c'est notre histoire personnelle. Et ce clip, on l'a voulu, effectivement, universel, pour que tout le monde puisse s'identifier à ce qui s'est passé pour nous, quoi. Pour que ça soit une référence. Votre papa n'est pas là. Je voulais savoir quel sentiment il avait quand il voyait que ses enfants menaient ce combat. J'imagine son sentiment. Je pense que c'est toi qui peux répondre, Pascal, si j'échange le plus avec lui. Non, non, mais je pense. Parce que il a vécu le drame lui aussi, et donc de voir que ses enfants sont des victimes et qu'ils réagissent et qu'ils se battent avec cette dignité, cette douceur, on sent pas de haine ni de rancœur. C'est très particulier.
Oui, mais ça c'est Marielle. Marielle était comme ça. Enfin, je pense que Marielle, elle a fait vraiment un travail énorme auprès de ses enfants. Qu'est-ce qu'elle leur a transmis pour vous? Mais c'était quelqu'un vraiment de sain. Jamais il y avait de haine. Enfin, elle était capable de supporter vraiment beaucoup de choses. Elle verbalisait beaucoup. Elle est beaucoup au contact des gens. Voilà. Jamais il n'y avait pas les bons, les méchants de l'autre côté. Non. Elle avait toujours beaucoup d'espoir que tout allait s'arranger. Je suis admirative de ce qu'elle a fait. Elle leur a laissé de son héritage, sa personnalité, c'était vraiment ça. Voilà, et c'est vraiment, je retrouve ça chez ses enfants, et elle continue à vivre à travers eux, et vraiment, pour moi, c'est d'un soutien. Et votre frère, leur papa, qu'est-ce qu'il ressent quand il voit que ses enfants sont debout et qu'ils se battent? Je pense qu'il est vraiment très fier de... Il vous l'a dit ou vous le pensez? Non, il l'a verbalisé. C'est vraiment quelqu'un qui verbalise peu son ressenti, mais il est fier et ça l'aide aussi beaucoup de voir Marielle à travers eux. Et je pense qu'il en est très fier, même s'il le verbalise timidement. Voilà. Mais quand on s'est rencontrés tout à l'heure, quand j'ai ouvert la porte, j'étais impressionné parce que on se rencontre pour la première fois et j'étais surpris par le sourire. Et puis, l'état d'esprit. Et c'est vrai que Mélissa m'a dit, ben voilà, j'ai connu le pire de l'homme et j'ai l'impression d'avoir connu à la suite de ça le meilleur de l'humanité. Et après, elle m'a dit que c'était votre phrase. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Ce que je voulais dire, c'est que, bon voilà, à travers ce drame, on pourrait perdre foi en l'humain, en fait, parce que vraiment, il n'y a rien de pire quoi, qu'un être humain qui tue un autre être humain. Enfin voilà, rien de pire. Et en fait, suite à ça, on a eu tellement de personnes mobilisées autour de nous, à travers l'association notamment. C'est vrai que ça nous a aussi beaucoup aidés, parce qu'on a, voilà, on a eu tellement de soutien qu'on a redécouvert que l'homme était aussi capable du meilleur. On a envie de se concentrer là-dessus. Finalement, cet homme a voulu détruire et il a révélé une solidarité et une humanité chez tous les autres. Voilà. Exactement. Il a fait exactement l'effet inverse de ce qu'il a voulu produire. En voulant toucher tout le monde, en fait, il a réuni tout le monde. Et Marielle, elle était avant déjà le point central dans le village. Et elle l'est toujours, malgré son absence. Quoi. Moi, j'ai une image du procès, premier jour, où il y a du monde dans toute la salle, il n'y a pas assez de place pour s'asseoir. Et en fait, toutes ces personnes, c'est pour nous soutenir. Voilà. C'est ça. En tout cas, vous avez connu le pire et le meilleur dans l'humanité. Dans votre bouche, ça a du poids. Vous m'avez présenté des gens importants pour vous. Oui. Merci. Et moi, je voudrais à mon tour vous présenter des gens importants pour moi. Ce sont des amis, des êtres humains qui s'intéressent beaucoup à ce qui se passe dans le monde, à ce qui se passe dans notre pays. Et eux ne se détournent pas quand ils voient des choses qui ne vont pas. Par contre, ils cherchent des solutions. Ils sont obsédés par les solutions et alors ils cherchent des idées qui marchent. Et il y en a plein en fait. Et donc ils vont me parler de ça et vous allez peut-être comprendre pourquoi à chaque fois que je les vois, je suis de bonne humeur. J'espère qu'ils vont vous mettre de bonne humeur. Ça vous va comme programme? Parfait. Et en plus, ils nous font à manger, je vais voir où on en est pour le déjeuner. Et je vous laisse un petit moment entre vous et on se retrouve juste après. Ok? À tout de suite. À tout de suite. D'accord, donc je vais mettre la couleur là. Tu mets de la couleur si tu mets du vert, c'est incroyable. Hey, dis aux enfants. Salut. Ça marche super bien. Hey, qui a fait manger? Mais alors, c'est Céline. C'est parce que tu voulais faire plaisir. Tu sais que c'est mon plat préféré? Non, je savais pas. Mais par contre, t'as pris un risque énorme. Parce que, évidemment, celle qui le fait le mieux dans l'histoire de l'humanité, c'est ma mère. Ah, je vais pas rivaliser. Et donc, je vais comparer. Tu mets un peu la pression. Il y a des anchois dans la farce. Y compris dans la viande. C'est vraiment la petite touche pour moi qui fait toute la différence. D'accord, c'est la compétition avec ça. Avec ma mère. Je peux dire là que c'est ma chouchoute? Ah bah oui, parce que je vais arriver, je vais dire « Ah, bonjour ma chouchoute !» Je dis « Non, mais déjà que c'est mon temps de c'est chez nous, ne le fais pas devant tout le monde. » Bon, je suis impatient de vous présenter mes invités et je leur ai dit que j'avais des amis qui s'intéressaient aux problèmes de ce monde ou aux choses du quotidien qui peuvent être améliorées et qui trouvent des solutions. Donc j'ai fait une promesse. Il faut la tenir maintenant.
On va essayer. Ben moi, j'ai ma mission, hein, c'est mon chemin avec toi. Je vais essayer de t'amener vers le virtuel, vers le numérique, voilà, pour prouver que ça peut être vraiment utile. Ben, c'est un service virtuel gratuit qui permet de décrypter tout ce qu'il y a dans nos assiettes et tout ce qu'on mange vraiment. L'idée, c'est de savoir ce que les grandes surfaces nous cachent. Est-ce que les produits sont vraiment bons pour la santé? Est-ce que... Non, mais c'est vrai. Hein, non, mais quand c'est on bon, vous dit ça. Moins 25% de sel, est-ce que c'est vraiment que c'est vrai? On peut vérifier. Eh bien, ça, je vous montre un service qui permet de le faire gratuitement. Ça m'intéresse, je vais les chercher. À tout de suite. À tout de suite. Alors voilà, et du coup, ça a l'air d'être